1 Samuel au chapitre 2. Anne pria et dit: Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis. Car je me suis réjoui. Je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Amen. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Oui, Amen. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Merci Seigneur, parce que cette louange, cette adoration ressemble, Seigneur, à celle que Marie avait faite, Seigneur mon Dieu, lorsqu'elle était enceinte de Jésus-Christ. Alors je te prie au nom de Jésus, Seigneur, que tu nous donnes aussi d'avoir plein de gratitude et de louer, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Oui, merci Seigneur, parce que des fois on a l'impression, Seigneur, de vivre l'enfer sur terre, Seigneur. Mais tu nous fais remonter du séjour des morts par ta grâce. Sois béni, Père. Amen. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il retire l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son oint. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Oui, Seigneur mon Dieu, que nos enfants, nos futurs enfants, soient tes serviteurs, Seigneur mon Dieu, consacrés à toi, Seigneur mon Dieu, pour la gloire de ton nom, car nous savons, Seigneur mon Dieu, que ce n'est pas comme à l'époque où les enfants, Seigneur, étaient consacrés, c'était à vie, et d'autres ne l'étaient pas, mais ils pouvaient quand même être fidèles à Dieu. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que lorsque les enfants ou nous-mêmes, nous ne sommes pas consacrés à Dieu, malheureusement, l'ennemi consacre, Seigneur mon Dieu, ces gens pour son service à lui, à leur perdition. Garde-nous de cela et nos enfants, Amen. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ne connaissaient point l'Éternel. On voit, Seigneur mon Dieu, que les religieux, toute leur vie, peuvent ne point connaître l'Éternel et faire des choses abominables. Merci parce que tu nous as sortis de la religion, Seigneur mon Dieu. Nous te servons d'un cœur fidèle et droit par ta grâce. Amen. Et voici quelle était leur manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à sa main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Là, même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait: Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces gens se rendaient coupables devant l'Éternel, pardon, d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Seigneur, on voit aussi aujourd'hui cet évangile de prospérité, Seigneur, ce faux évangile, Seigneur mon Dieu, où ceux qui se disent serviteurs de Dieu ou d'autres titres, Seigneur mon Dieu, prennent eux-mêmes, Seigneur mon Dieu, l'offrande, Seigneur mon Dieu, qui est faite pour eux-mêmes, Seigneur mon Dieu, alors qu'il est offert pour Dieu, Seigneur mon Dieu, pour le service de Dieu, Seigneur, on voit à quel point, Seigneur mon Dieu, ce faux évangile, Seigneur mon Dieu, amène la condamnation. Tu en as beaucoup parlé dans le Nouveau Testament et tu en parles au cours à ce moment-là, Seigneur mon Dieu, tu nous fais un clin d'œil. Bien que tu sois très irrité, en colère, Seigneur mon Dieu, contre cet évangile-là. Garde-nous, garde nos frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, qui ne l'ont pas encore peut-être connu. Garde-les de connaître ce faux évangile, Seigneur mon Dieu, ou encore pire, d'en être investigateur, Seigneur mon Dieu.
ou plutôt, Seigneur mon Dieu, de prendre part à ce faux évangile, Seigneur, ou d'être eux-mêmes des serviteurs de ce faux évangile. Amen. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Merci Seigneur, parce que peut-être elle ne devait avoir que cet enfant-là. Par la parole du serviteur de l'Éternel, elle en a eu plusieurs, Seigneur mon Dieu, pour la consoler de l'enfant qui était consacré en tout temps, qu'elle ne voyait qu'une fois par an. Merci pour Samuel, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, Seigneur, il ne voyait pas beaucoup ses parents, mais il était consolé par le service qu'il te faisait, et aussi parce que tu l'as appelé à un très 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 grand ministère. Et une très grande onction, que ton nom soit béni Père, mais lorsque nous avons cette onction, Seigneur mon Dieu, lorsque tu oins, Seigneur, tes enfants, permets qu'ils puissent transmettre cette onction. Soit à leurs propres enfants, Seigneur mon Dieu, soit des serviteurs qui en seront dignes, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et fais grâce, Seigneur mon Dieu, parce qu'on voit que ces deux enfants, malheureusement, n'ont pas suivi, Seigneur, la voie de Samuel lorsqu'il était vieux. Permets-nous, Seigneur, par ta grâce, d'instruire nos enfants dans les voies du Seigneur et qu'ils puissent garder ces voies. Amen. Ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta trois fils et deux filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à la tente. À l'entrée de la tente d'assignation, Seigneur, tu en as beaucoup parlé, Seigneur, dans le Nouveau Testament, tu as dit, Seigneur, ce sont des nuées sans eau, Seigneur mon Dieu, des fontaines sans eau, des nuées que chasse le tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ils amorcent les mal affermis, et on voit, Seigneur, que également dans cet évangile de prospérité, Seigneur, particulièrement, il y a aussi l'impudicité qui se cache derrière, Seigneur. Et aussi pour ces hommes, Seigneur, qui étaient l'ombre des choses à venir, Seigneur, se cachait aussi l'impudicité. Garde, Seigneur, tes enfants de tomber dans ce faux évangile. Tu as dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'ils soient cachés ou visibles, ces fruits sont manifestes, Seigneur, et ils sont impurs. Amen. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Seigneur, on voit que ça glorifie pas ton nom, car tout le peuple même savait ses mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire de vous n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pèche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pèche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. On voit que des fois, tu peux endurcir les cœurs lorsque le péché est trop grave et lorsqu'il dure depuis trop longtemps et lorsque ton nom n'est pas glorifié à la multitude. On voit, Seigneur mon Dieu, que lorsque ton nom n'est pas sanctifié et en présence de beaucoup, tu peux endurcir les cœurs comme Pharaon. Alors je te prie que tu fasses grâce, Seigneur mon Dieu, que si un péché a été commis, que ce soit dans le secret, qu'il soit jugé par les anciens, mais que ce ne soit pas jugé par toi, et qu'il y ait repentance, mais par ta grâce, que ton nom soit toujours sanctifié par tes enfants, qu'il ne soit jamais blasphémé, Seigneur mon Dieu, en présence d'une multitude. Parce qu'on voit que dans ces moments-là, Seigneur, tu veux tuer. Tu veux tuer, Seigneur mon Dieu, et ainsi glorifier ton nom. Garde-nous de cela, Seigneur, de garder la crainte de l'Éternel, que notre témoignage soit bon, Seigneur, amen. Le jeune Samuel continue à grandir, et il était agréable à l'Éternel aux hommes. De nous aussi, Seigneur, parce qu'on voit que lorsque Élie a su ce que faisaient ses deux enfants, Seigneur, il les a pas corrigés, de manière à ce qu'ils se repentent. Et il a été jugé pour cela lui-même. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, étant serviteur de l'Éternel ou bien parents d'enfants chrétiens, de nous de veiller à ce que nos enfants soient vraiment repris, ou alors ceux qui sont serviteurs sous notre autorité, qu'ils soient sérieusement repris et pas d'une manière légère. Parce que nous savons, Seigneur, que nous serons nous-mêmes jugés sévèrement si nous ne jugeons pas, Seigneur, nous-mêmes, ceux qui sont sous notre autorité qui font le mal. Au nom de Jésus, Père, que ton nom soit béni. Tu as dit, si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons point jugés. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus, Père. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Il n'y a personne comme toi dans le ciel et sur la terre. Au nom de Jésus, Amen. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit,
Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père? Lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon, je les choisis. Je les choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? On voit, Seigneur, l'ombre de l'évangile de prospérité encore une fois. Seigneur, on voit déjà que tu avais averti Élie à cette époque-là par un homme de Dieu pour qu'il se repente, ce qui n'a pas été fait malheureusement. De nous comprendre aussi que la repentance, c'est pas juste demander pardon, c'est poser des actions vraiment concrètes de repentance. Amen. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise sera méprisé. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Seigneur, donne-nous de comprendre que lorsqu'on est destitué de nos fonctions par toi, donne-nous de le faire nous-mêmes, physiquement aussi, de nous destituer nous-mêmes, afin que la condamnation, terrible jugement ne vienne point jusque sur nous, comme Saül, Seigneur le roi qui a été destitué de sa fonction, qui a point renoncé lui-même à son service, et qui a été jugé terriblement, Seigneur. Donne-nous de comprendre que le service, Seigneur, n'est pas plus important que le salut. Amen. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Oui, Seigneur, merci parce que tu n'as pas jugé tout Israël pour ce péché personnel, mais tu juges chacun selon son péché. Sois béni, Père. Amen. Il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur, selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon moi. Et quiconque restera dans ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'aie un morceau de pain à manger. On voit à quel point, Seigneur, c'est grave. Le péché, Seigneur, ou le débordement, surtout lorsque ça dure longtemps, dans ta maison, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, et que ton nom soit sanctifié, Seigneur mon Dieu, que ton règne vienne. Au nom de Jésus, Père. Amen.